Alors aujourd'hui, je vais faire un peu de bricolage. Ici, c'est une milpa normalement, donc il y a des courgettes et du maïs doux. Et je veux y intégrer les haricots à rame. Mais pour ça, il faut que je fasse une structure en bambou au-dessus de la planche pour les faire, parce que les haricots à rame sont très grands, donc pour les faire grimper à la hauteur pour pouvoir les cueillir plus facilement. Et en plus, ça fera de l'ombre pour l'été aux courgettes qui n'aiment pas avoir non plus trop de soleil direct. Elles aiment bien avoir un soleil diffus. Donc ça sera parfait. Allez, c'est parti. Cette année, pour la culture de la carotte, juste cette planche-là, enfin cette ligne-là, sous serre, j'ai testé de les éclaircir. Donc voilà, j'en ai enlevé pas mal. Sauf cette petite touffe-là, que je n'ai pas éclaircie, pour voir un peu la différence entre les cultures éclaircies et les cultures non éclaircies, pour voir au niveau de la grosseur, parce que ça fait des années que je n'éclaircis absolument rien, parce que je trouve que c'est inutile, vu que le travail est très très long et très minutieux, et bon, pour mon dos, c'est pas top. Là, c'était facile parce que j'avais un petit tabouret, donc j'en ai profité. Je me suis dit, tout le monde dit qu'il faut éclaircir, moi je suis pas forcément pour, donc on va faire le test de savoir si c'est mieux ou pas. Et j'ai également testé le repiquage de la carotte dans un sol très souple, parce qu'à l'extérieur on a un sol tellement argileux que c'est même pas la peine d'y penser, ça va faire des machins tout riquiqui, biscornus, bon bref, ça donne absolument rien. Mais j'ai quand même testé sur une terre beaucoup plus souple, voir si ça vaut le coup ou pas. En plus, comme j'en ai beaucoup perdu, je me suis dit au moins j'aurais quand même récolté un peu plus si jamais ça fonctionne. Donc voilà le test de cette année sur la culture de la carotte. Dans la grande serre, tout pousse plutôt bien. Aubergines, tomates. Là, il y a des oignons, des cacahuètes. Donc, système d'arrosage par roya. Voilà, comme ça, c'est plus simple. J'ai commencé à faire sécher quelques plantes. Ici, c'est du thym, de la menthe. Bientôt va arriver la verveine. Là, il y a un plant de peut-être potimarron qui est arrivé tout seul hein, du compost qu'on avait mis dans les bacs. Du coup, j'ai laissé pousser. On a des betteraves qu'on va commencer
à consommer. Il y a toujours le plan de citronnelle qui malheureusement a végété pendant un petit moment parce qu'il manquait d'eau. Donc là, il est reparti. On a encore un nouveau concombre qui arrive. Vu qu'on a mangé l'autre, il y en a un autre ici. Donc c'est cool. On a également le céleri. J'ai planté des haricots aram qui vont grimper un peu partout. Il y a toujours les tomates. Il y a du basilic également. Là, c'est le plant de pastèque. Il y en a un deuxième qui va arriver. Ici, le kiwi. Là, tous les plants d'aubergine. D'ailleurs, il y en a une qui commence à arriver ici. Ceux-là, c'est des plants greffés, les plus grands. Les plus petits, c'est là, c'est les œufs blancs. Et là-bas, c'est une non greffée. Voilà. Les carottes que j'ai essayé d'éclaircir, comme je vous ai dit. Et puis l'autre kiwi que je n'ai pas vu, j'ai pas vu fleurir. Bon, alors cette année, je pense pas qu'on ait des kiwis. Parce que normalement, ils devaient être déjà en fleurs. Mais là, rien du tout. Et puis au niveau des semis, ben ça, j'ai enlevé la table, je l'ai mise ici parce qu'il y en a beaucoup moins. Non mais il y en a encore et il y en aura toujours. Donc il y a betterave, ici c'est des haricots au beurre. Il y a toujours le plan, deuxième plan de pastèque. Là c'est des courgettes, des cosmos, de la salade, des œillets d'Inde. Là c'est des aromatiques, des fleurs. La mertensia que j'essaye de sauver mais c'est très très dur. Ici les futurs plants de potimarron que j'ai refait à cause voilà, des attaques de gastéropodes. Les plants de basilic, ça c'est les plus anciens. Ceux-là c'est les nous fraîchement plantés. Voilà. Sinon voilà, il n'y a plus grand chose, mais il y aura toujours quelques semis. D'ailleurs je vais vous parler des semis. Alors justement, pour le mois de juin, qu'est-ce qu'on peut semer ou qu'est-ce que nous semons? Alors, généralement, on fait des salves de haricots, de carottes, de poireaux. On va commencer tout doucement à faire aussi des cultures pour l'hiver, notamment les betteraves qu'on va ressemer. En général, carottes, betteraves, j'essaye d'en faire un semis par mois pour que ça échelonne bien les récoltes tout au long de l'année. On peut essayer de faire des salades si on a un temps relativement doux et qui ne fait pas trop chaud ou si on a un endroit ombragé. Après, je refais des semis de concombres et de courgettes pour que je puisse faire voilà, la transaction entre ces pieds qui vont vieillir et les nouveaux. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y en a déjà, en termes de courgettes, il y a déjà des plants qui sont prêts à être bientôt plantés ou plutôt repiqués, parce qu'ils sont quand même encore petits, pour justement continuer l'arrière-saison. Et puis c'est plutôt en juillet-août où je vais commencer à faire les choux. Voilà. En juin ou peut-être fin juin si je veux en avoir un peu plus tôt, mais ça dépend vraiment de la saison si elle est très chaude ou pas, parce que sinon ça monte très vite, il y a des altises, il faut les protéger, c'est un peu fastidieux. Mais dans la petite serre, alors on a les carottes ici qui ne sont pas encore bonnes à manger, elles ont beaucoup végété à cause du manque de luminosité quand je les ai semées. Je devrais déjà les consommer depuis au moins 3 semaines, mais bon voilà, c'est ça a pris beaucoup de retard. Les concombres à confire continuent de grimper le long des petites ficelles. L'ail, pour l'instant, je le laisse bien sécher. Je peux en récolter si j'en veux du frais, mais pour l'instant, je les laisse parce que je récolte plutôt l'ail géant pour justement l'utiliser. Et là, c'est le pied d'estragon qui pousse bien. Et les oignons que je consomme de temps en temps en oignons frais. Et puis après, le reste, je les laisse grossir, évidemment. Et ça, c'est des plants de lavande que je vais mettre devant la grande serre pour remplacer les pieds de fraisiers. Je vais vous montrer. Voilà, ici, les fraisiers. Vous voyez la différence entre ceux-là qui sont pas terribles, qui sont un peu jaunés, et ceux-là qui poussent vraiment très très bien. En fait, ici, il n'y a pas beaucoup de terre parce qu'il y a la dalle en béton de l'ancien abri qui vient jusqu'à la moitié. Et évidemment, voilà, on voit la différence. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les enlever, je vais les mettre plutôt au niveau de la terrasse, à la place des menthes. Et donc ici, à la place des fraisiers, je vais y mettre les plants de lavande parce que ça ne demande pas beaucoup d'arrosage et ça aime bien la chaleur. Et ici, il fait très très chaud.
Là, c'est un peu plus ombragé, mais là, il fait vraiment plein cagnard, plein sud. Donc, c'est pour ça que je vais faire ça. Je vais mettre plutôt des lavandes. Et puis, si j'en ai pas assez, je comblerai avec d'autres plants, Nepeta, voilà, des choses qui ne demandent pas beaucoup d'entretien et qui aiment bien la chaleur. La planche de pommes de terre désirée, uniquement ça, je n'ai pas mis finalement des haricots, parce que sinon ça serait fait bon, dévorer par les gastéropodes. On a ici les petits fruits, donc là les mûriers qui sont en fleurs. On a les myrtillers et le cassis plus loin, qui est également en fruits et bon à manger, parce qu'il est déjà mûr. Sous les filets, on a du chou kale et du céleri avec les cosmos. Céleri, chou kale. Alors là, c'est pour éviter les altises et les charançons, les papillons également. Et là, je n'ai pas pu en mettre parce que j'ai des haricots qui grimpent à rame. Et entre chaque chou, il y a un pied de melon. Donc, comme il faut qu'ils, voilà, normalement qu'ils grandissent, je ne peux pas mettre de filet. Pêche sanguine. Ici on a deux courges naines, une table gode. Ici c'est les haricots serpents. Ah, il y a un chat qui a dû gratter. Là c'est les courgettes. Alors c'est un pied de courgette genovese, je crois. Celle qui a du mal à pousser. Ici on a du melon Gallia. Ça c'est mes propres graines. Et les maïs popcorn noirs. Donc ça a beaucoup de mal à pousser parce qu'on a des températures qui sont relativement froides. On a des prunes, mais il y en a qui sont pourries. Ici on a du concombre tout long avec des céleris. Et normalement il y avait une rangée de carottes, mais ça s'est fait dévorer. Je vais devoir refaire un semis entre celles qui ont poussé. Donc pour l'instant ça pousse pas mal, il y a beaucoup de fleurs. Les tomates avec les œillets d'Inde. Donc elles ont bien poussé, elles sont toutes en fleurs. Certaines ont même quelques fruits. La vigne qui est bien repartie. Il y en a là. En fait, ça couvrait la moitié de la tonnelle. Et en fait, ça a gelé, donc j'ai dû tout couper. Là, il y a une rangée d'haricots. Je dois en mettre d'autres après. Je les fais pousser en godet. Mais même pousser en godet, ils se font dévorer. Hein. Ça va être comme ici, les mange-tout. Hein. Là, il y en a quelques-uns, mais c'est pas folichon évidemment. Et là, au pied, on a des potirons, courges et maïs. Ici, donc je vais faire grimper là après. Les petits pois, bon, bah, ça pousse, hein, ça continue à pousser. C'est très très haut maintenant, donc c'est très bien. Et en bas, il y a des courges qui végètent un peu, mais ça va repartir tout doucement. Là, il y a une autre vigne qui est sans. Alors là, celle-là, par contre, elle a des fruits. L'autre, elle n'en a pas, mais celle-là, il y en a. Il y a un pied de tomate à chaque poteau. Là-bas,
Là-bas, et là-bas, il y en a une petite. Ici, normalement, il y avait une rangée de betteraves, mais très clairsemée. J'en ai ressemé en mini-motte. Je les remettrai quand ça sera bon à être repiqué. Et ici, on a les betteraves jaunes, le bleuet. Et derrière, hop, je reviens là. Et derrière, on a du basilic. Ici, on a une orchidée sauvage qui pousse. Donc, j'ai mis ça pour pas qu'on l'écrase. Là, on a une asperge là qui commence à pousser. Il y en a une autre derrière. Faut que je désherbe, il y a quand même beaucoup d'herbes. Il y en a encore une ici à consommer. On en a là, là, ici, ici, ici. Cette année, c'est l'année aux artichauts. Alors ici, normalement, on avait des potirons. Ça s'est fait dévorer. Donc du coup, on a dû remplacer par autre chose. Donc c'est des patates douces, des plants, des deuxièmes plants que j'avais fait, des deuxièmes boutures que j'ai mis directement dans l'eau. Et avec les racines de développer, je les ai mis directement en pleine terre. Les oignons, pour l'instant, ça pousse normalement. Voilà. Ici, on a carottes et radis, sauf que les radis, c'est pas terrible. Alors, bon, il y a des lupins blancs qui ont résisté aux attaques de gastéropodes. Voilà, et là-bas, c'est les fèves. Alors, les fèves, cata. La cata. On va en récolter un petit peu, mais ça y est, ça commence à avoir la maladie. Donc, je vais tout arracher. Je vais récolter ce que je peux et je vais tout arracher. Donc ce carré-là, c'est les reines de mai qu'on consomme en salade. Là, il y a normalement une rangée de carottes qui étaient ratiboisées par les escargots qui nichent là derrière. Du coup, j'ai essayé de refaire un semis, on verra. Sinon, j'abandonnerai. Pareil pour les œillets d'Inde qui se sont fait littéralement dévorer. Je laisse tomber. Tant pis, les tomates resteront comme ça. Et puis, c'est tout. Dans le carré de perpétuel, j'ai ratiboisé à ras les poireaux perpétuels pour que ça puisse repartir en automne. J'ai juste à mettre un paillage, mais pour l'instant, on n'a pas de broyat. Donc, j'attends que Cyril fasse le broyage. Sinon, on a des pieds de tomates à chaque piqué. J'ai coupé également le chénopode parce que sinon c'est ça graine et ça se met partout. Il y a ici on a du bleuet, là c'est les pieds de ail éléphant, ail géant. Ici c'est la sauge ananas, du thym et du persil. Alors ici on a encore des pommes de terre qui sont en fleurs, c'est des fleurs bleues. On a dans chaque planche là, en bout, on a de l'hémérocale dont les fleurs sont comestibles. Ici c'est tomates, c'est patates douces, chiso et j'ai essayé de refaire une ligne de petits pois nains. Mais ça se fait dévorer en bout, alors j'espère qu'ici ça va marcher. Mais ensuite on a la planche des choux rouges. Pareil, j'ai remis des plants de yé d'Inde. Je ne sais pas si ça va résister bien longtemps. On a également de la blette, de la poirée et des cosmos. Or, la terre est vraiment pas terrible ici. Hein. C'est une terre qui a été longtemps laissée un peu à l'abandon. On a fait un petit peu une rocaille, donc du coup, il y a des graviers. Enfin bref, c'est un peu n'importe quoi. Celle-ci, pareil. Mais bon, on essaye d'amender, mais ça prend un peu de temps. Ici, on a les betteraves qu'on consomme déjà. Sont beaucoup plus avancés que j'avais fait en mini-motte. Les tomates, les œillets d'Inde se sont fait dévorer. Et ici, il y a normalement, coucou, deux rangées de carottes avec des radis. Donc les radis, ils sont là. Il faut qu'on les mange. Et puis les carottes, ça a malheureusement très clairsemé. Donc j'ai refait des semis entre de la même variété. On verra si ça repousse ou pas.